Willy, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas, j'ai vu des nichons, là, ça m'a... Non, mais... Ah bah, des gens font de la prison pour ça. Qu'est-ce excusez-moi. Qui... Asseyez-vous. Merci infiniment. C'est n'importe quoi. Tu t'appelles comment Camille. Ah oui, alors non. Alors, vite enchaînant. Comment ça va? J'ai l'impression que ça va très bien. Ça va bien. Ils sont... Mais les vrais, les deux, hein. Arrête. Ils sont vrais, les deux. Tu la laisses tranquille. Tu te rends compte, la puberté maintenant, 14 ans, putain. Willy, on va pas y arriver, je sens qu'on va pas y arriver ce soir. Première question, tu viens... Tu vas pas faire ça à la cigale, quand même. Ah, si c'est la cigale, je toucherai tous les nichons des gens et les couilles. Donc, les mecs, vous pouvez venir aussi, y a pas de souci. Je touche tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit venir voir ton spectacle? Ça sera les trois dernières à Paris, mesdames et messieurs. Après, j'ai fini. Oh non. Oh non. Bon, on... La musique. Oui, la musique. Je serai. Oui, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est illégal! Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. C'est incroyable! Et je pense que comme moi, elle sera à la cigale les 13, 14 et 15 décembre. Tu viens ou pas? Pour regarder ton spectacle, on regarde la bande-annonce. Attends, je t'ai flouté deux fois les nibards, tu viens! T'as vu ça? Ah bah le chômage, c'est la crise. Il fait froid, c'est la crise. Il y a trop de fonctionnaires, c'est la crise. T'en compte que l'autre jour, je suis allé à la poste. J'ai vu que derrière le comptoir, ils avaient foutu une naine. Putain, mais ils ont réduit les fonctionnaires à ce point-là! Comme c'est ultra tendance le bio, tu sais, l'autre jour à mes amis, je leur ai fait un petit gratin de topinambour avec des graines de lin. Je leur ai dit, vous n'en reviendrez pas. Eh ben, ils sont pas revenus. Salon. Tout le monde s'y met, hein. T'as vu, même le président, il s'y est mis, hein. T'as vu? Ah, elle est belle, là, sa fille, là, comment elle s'appelle déjà Julia. Voilà, Julia, elle est belle, Julia, dis donc. Ah, c'est un joli nouveau-né, hein. Ah, bah, comme sa mère, hein. Nouveau-né, nouvelle dent, nouvelle joue, tout. Très joli, hein. Attends, hey, ça a été un événement, hein. Un événement, l'arrivée de Julia. Il paraît que même Claude Guéant assistait à l'accouchement. Bah, dès qu'il y a une expulsion, l'autre, il est jamais loin. Il s'appelle Willy Rovelli et il sera à la cigale les 13, 14 et 15 décembre prochain. Ce sont les dernières parisiennes, il faut aller voir ce spectacle qui est un petit bijou. Exactement, je crois que vous avez bien résumé, cher ami. Aujourd'hui, t'es au top. Physiquement, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Muscu, toujours un peu de muscu? Toujours, pour entretenir ce... Tu veux... Non mais... Tu la laisses tranquille, la pauvre. Oui, un peu d'entretien, tu sais, pour entretenir la machine, quoi. Voilà, faut... C'est quoi la partie de ton corps que tu préfères? Ouais, si je la montre et vous allez... Tu me jures que tu ne coupes pas au montage si je te montre? Je ne coupe rien au montage. Tu me le jures? Promis. Ah non, mais il me fait peur. Non mais, Willy, nos parents regardent. Non, qu'est-ce... Tu me l'as juré, hein? J'ai juré. N'importe quoi. Je vous ai vu. T'es malade, hein? Je vous ai vu. Je vous ai vu, vous l'avez agressé sexuellement, madame. J'ai le cul des messieurs comme ça. C'est honteux à votre âge. J'adore mes fesses. C'est vrai? Elles sont pas mal, non? Elle est gentille, Camille. Elle est gentille, Camille. Comme moi, tu sais que la presse ne raconte pas toujours la vérité. À toi de déceler le vrai du faux dans le mytho, pas mytho. Allez, c'est parti. Vas-y. Un Américain souffrant depuis son plus jeune âge du syndrome de Clopin, oui. Une malformation génétique qu'il a dotée de deux pieds gauches, vient de sortir une marque de chaussures unipied. Bien sûr. Les deux chaussures peuvent se porter indifféremment à droite comme à gauche. Oh bah... Mytho, pas mytho? Allez, pas mytho. Pas mytho? Mm. Eh ben non, c'est une mauvaise réponse, mytho. Tu veux pas te taire, le tu fais des conneries, toi? Allez-y, continue. Franziska Hansen, femme à la poitrine opulente. C'est vrai? T'es au courant? C'est vrai. T'es au courant de nichon, c'est vrai. Non, t'en sais rien encore. Elle a 33 ans, cette femme, elle est accusée pour tentative d'assassinat armé sur la personne de son compagnon après avoir essayé de l'étouffer avec son bonnet D. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Waouh. On était pas loin, la petite Camille. On a frôlé l'accident. Non, c'est pas mytho. Alors, ça, c'est vrai. Eh ben, bonne réponse, pas mytho. Ouais. On peut y aller, là.
Une société américaine vient de mettre sur le marché un produit pour le moins surprenant. Une mousse de rasage à l'odeur de bacon. Parfum bacon. Tu te rases, y a un, c'est au bacon. Oui, allez, pas mytho. Ah bon, toi tu... Bah, pourquoi pas. Il y a bien du déodorant senteur transpiration le matin dans le métro, alors... pourquoi pas. Allez, va pour le bacon. Eh ben, pas mytho, bonne réponse. Ah, tu vois. Tu vois l'intelligence, Camille, ou pas? Tu vois l'intelligence, la beauté, l'argent, l'intelligence. L'argent, tu es devenu riche? Je gagne du fric, mais je suis devenu super radin. Ah. Et c'est vrai que, par exemple, je ne prends que des vols low cost, tu sais, les vols pas chers. On les connaît, hein, hein, tu sais, les trucs pas chers. Les vols à 59 euros pour la Thaïlande. À 59 boules. À un moment donné, tu sais, les hôtesses de l'air tellement mal payées, sauf qu'elles sont moches et tout mal payées, tout ça, tellement mal payées qu'elles faisaient carrément les consignes de sécurité en faisant la manche. Tu sais, avec le en cas de problème, tomberont tous les masques à oxygène et les toboggans se déploieront port de devant. Hey! La chance! On aurait adoré être avec toi, mon pote. Une étude IFOP a montré que dans 63% des cas de dépression, oui, les personnes touchées regardaient l'émission Motus au moins 3 fois par semaine. Non, c'est faux. C'est mytho. Ça peut être... Mais ça peut être totalement vrai. Non. Mais c'est mytho. Bonne réponse, mytho. Tu travailles toujours avec Anne Romanin? Toujours, ben oui, à la radio. Alors, la semaine, je suis avec Michel Drucker le matin sur Europe, et le samedi matin, c'est avec Anne, qui a mis en scène le spectacle. Elle est dure? Elle est exigeante. Ouais. Donc, quand il y a un truc que vous faites et qu'elle n'aime pas, elle... Par exemple, j'aurais jamais pu me mettre entre les seins d'Anne Romanov. En même temps, est-ce que j'ai envie? Je ne sais pas, mais j'aurais jamais pu le faire, parce qu'elle, Mais non, elle est dure. Elle est dure, mais honnêtement, tous les conseils qu'elle donne, franchement, sont... Je sais que moi, ça m'a fait vachement progresser. Et toujours à la mise en scène du spectacle. Exactement. Qui, je rappelle, sera à la Cigale les 13, 14 et 15 décembre. Attention, les mecs. Après, c'est fini. C'est une menace. Et le Palais des Congrès à Nantes, bientôt aussi. Palais des Congrès, le 31 décembre. 31 décembre, il faut noter. Et la Bourse du Travail à Lyon, le 2 février. Il faut parler d'un des sketchs qui t'a vraiment fait connaître auprès du grand public. Ah oui, je vais te parler de Valérie Damido, bien sûr. Et la dernière fois, quand t'as fait le Bataclan, t'as eu une grosse surprise. Ah bah c'est gentil pour elle de l'appeler grosse surprise, mais effectivement, c'est pas j'ai ce que eu une dire. Surprise en tout cas. Non, elle est venue, on a fait le sketch ensemble, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'humour. On regarde ça. Ah moi, tu sais qu'avec toutes ces conneries, j'ose même plus sortir de chez moi, hein. Ah, j'ai trop peur de rentrer d'y voir Valérie Damido. Ah, on traite sa salopette de lesbienne et son pinceau à la con. Ah, m'a rouflé ta gueule, moi. Ah, j'ose pas faire ça, moi j'ai trop peur de rentrer, tu sais. Et puis pour leur surprise à la con, ils te baissent la lumière. Et puis là, tout à coup, tu entends... Tu triches pas, hein, Willy? Tu triches vraiment pas, c'est-à-dire que je compte jusqu'à 3 et t'ouvres tes yeux. Ouais. T'es sûr? Allez. 1, 2, 3. Mais la merde, c'est taupe. Il s'appelle Willy Rovelli, vous pouvez le retrouver sur scène à la Cigale les 13, 14 et 15 décembre prochain. Je vous le conseille, c'est un super spectacle. Vraiment. On rigole tous les deux, mais là c'est l'heure tout de suite du journal des salles vient de tomber. Bah oui, c'est là. Tu feras le dernier, bien évidemment. Je fais le dernier, bien évidemment. Géographie, on a trouvé un endroit encore pire que l'île des vérités. C'est dans le nord et ça s'appelle tout simplement Lille. People, même quand il n'est pas en colère, Magloire en a souvent plein le cul. Télévision, Raymond Domenech a annoncé qu'il rêvait de faire Koh-Lanta. Franchement, vu ce qu'il a raté avec les bleus, je vois pas ce qu'il va réussir à faire avec les rouges ou les jaunes. Mode, Kate Moss s'est fait faire un tatouage à 1 million de dollars, Willy. Ça change parce que d'habitude, ce qu'elle a de plus cher, c'est pas sur sa peau, mais dans le nez.
santé, l'herpès, c'est exactement le contraire d'un numéro de portable. T'as pas besoin de le demander à une meuf pour qu'elle te le refile. Alors tu sais que pour moi tu es un invité très spécial, ouais. Et qui dit invité spécial dit interview spéciale, et qui dit interview spéciale dit interview intouchable. C'est parti. Des questions et il y aura des handicaps, d'où le nom de l'interview intouchable. Voilà, tout simplement. Handicap. On commence. Raconte-moi ta toute première fois. Oh là. Bon, jusque-là, oui, ça va. Ah, il faut qu'il y ait un tirage au sort. Faut que oui. Je tire la roue. Avec un accent. Oh purée. Il faut que je tire ma première fois avec un accent. Ouais, ta toute première fois avec un accent. Celui que tu veux. Surprends-nous. Ben, ma toute première fois que j'ai touché la boule d'un noir, il s'appelait Samba. Ça m'a plutôt plu, hein. Il était rudement bien fichu. Voilà. C'est parfait. Voilà. Très bien. C'était mon dépucelage. Et en accent belge et en samba. Tu le fais très bien, l'accent belge. T'as vu ça, l'accent belge, pas mal. Hein. Pour un début. Voilà. Fais ta promo avec l'accent belge, je serai à la Cigale. Écoutez, je serai à la Cigale le 13, 14 et 15 décembre à 20h30, une fois. Sobriété. Sobriété. Acteur studio. Mais j'ai tout appris avec Michel Leeb. Tu sais qu'alors lui, dis donc, moi, quand j'étais petit, je regardais Michel Leeb qui avait un sketch génial. Tu le connais, le noir de Michel Leeb, le sketch noir? Alors, il avait une réplique, mon vieux, là, tu vas être mort de rire. Tiens-toi bien, parce que là, ça va... La réplique culte de Michel Leeb, c'était « Mais ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines !» C'était Michel Leeb. On continue. Ouais. On continue. Alors, raconte-moi un truc pas vraiment légal que t'as déjà fait. Ah, en disant l'inverse de ce que tu penses. J'ai mis ma tête dans les seins d'une adolescente et j'ai pas du tout apprécié. Et je ne recommencerai jamais. Je peux te dire que même si la torture, tu ne m'auras jamais. On continue, on continue. Il va falloir appeler des CRS ou je sais pas, l'armée peut-être. Raconte-moi ton dernier rêve bizarre. En hurlant, ton dernier rêve bizarre. En hurlant, bah de toute façon, j'hurle déjà, donc ça... Alors... Oh putain. Alors, mon dernier rêve... Alors en fait, je croyais que... Non, je me voyais vraiment chanteur. Donc j'étais sur une scène comme ça, il y avait, comme d'habitude, personne, et je chantais du Benabar, t'imagines, les boules quand même, Benabar quand même. Ce matin quand je me suis levée, je me suis pris un beau café, comme je ne l'ai pas sucré, du coup je ne l'ai pas touillé, yeah. Voilà, Benabar. Non, j'ai vraiment fait ça. Non, j'ai vraiment fait un rêve où j'étais Benabar, tu te rends compte? Ça t'a fait peur? Ah ouais, j'aime pas la chanson française, moi. Ah. J'aime pas du tout, c'est chiant, chiant. Renan Luce, tout ça, non? Non, j'aime bien Diams, j'aime bien Diams. Tu chantes du Diams un peu? Ouais, on la voit plus, on la voit moins, mais non, mais je... On l'embrasse, bien évidemment. Dis-moi qui tu détestes vraiment, mais vraiment dans le showbiz, et pourquoi? Ouf. Dans une langue étrangère de ton choix. Ah bah c'est bien que ça je pourrais dire le nom et puis au moins on reconnaîtra pas vu que ça sera dans une langue étrangère. Alors, io non mi piace veramente un uomo che fa del cinema e quest'uomo si chiama Romain Duris. No, non mi piace perché quest'uomo dunque che si chiama Romain Duris, a lui non gli piace ascoltare qualcuno che fa ridere, capito? Capito. Allora... Non posso dire il suo nome, si chiama Romain Duris. Ça va aller. On appelle encore très fort, Willy Romilly, s'il vous plaît. On va pas tarder à se quitter, mais d'ici là, comme chaque semaine, on regarde la phrase de Chuck Norris.
maintenant, voici la phrase de Chuck Norris. Quand Chuck Norris mange un Mars, c'est le Mars qui repart. C'était la phrase de Chuck Norris. À toi, Mustapha. J'étais avec le fou furieux et surtout le très talentueux. Regardez, Willy Rovelli. Allez tous à la Cigale, les 13, 14 et 15 décembre, ainsi qu'à la Bourse du Travail à Lyon et à Nantes. Et le bourré talent, il s'appelle Willy Rovelli, s'il vous plaît.